Choisis ton apparition. Alors, je veux une explosion avec un bruit de paix, mais pas un paix normal. Tu sais, les paix sur YouTube, genre... Exemple. Je sais que c'est. Mais oui, ça fait genre... Et en fait, ce qui est terrible, c'est de se dire, je connais ce paix. Wow. La meilleure intro de ta chaîne, je pense. Vous allez bien ou quoi? Ouais, mec, t'es trop beau. Merci, bah toi aussi, je te renvoie le compliment. Bob a un bandeau, c'est un sushi man désormais. Aujourd'hui, le concept est bien simple. Vous connaissez peut-être cette application qui s'appelle FaceApp. Non, permet... c'est quoi? Oh, merci. C'est une application qui permet de modifier le visage de quelqu'un. C'est un truc qu'on fait souvent au lot, à tel point que j'ai payé l'application. Ah ouais? On est peu en France. Mais ça va me servir aujourd'hui parce que le concept tourne autour de ça. Souvenez-vous, j'avais fait un jeu avec Seb où on transformait des gens en toons. C'est la même chose, sauf que là, au lieu que ce soit des toons, on va juste modifier des traits du visage, donc barbe, etc., grossir, maigrir, tout ça, tout ça, tout ça. Ok. Et on va devoir deviner qui sont ces gens. Mais ces gens sont tous du YouTube game. Moi, je connais pas trop YouTube. Je vous avoue que je connais plus Dailymotion. Et tu vis en quelle année? 2005. On va mettre un petit gage. On va jouer l'un contre l'autre. On va devoir deviner le plus de possible. Le plus de... Tu sais pas parler, mec. Non. Laisse-moi faire. On va devoir deviner le maximum de personnes. On va jouer l'un contre l'autre. Ça te dérange pas de boire pendant que j'explique un concept? Ah, oh, c'est tellement bon, l'eau. Oh. Putain. La personne qui aura le moins de points va devoir poster sur son Instagram une photo de lui face-appé. On va se face-appé. Waouh, t'es super proche. Non, elle va être moche. Waouh, le gigafrou. Toi, c'est pire, gros. Gros, dégueulasse la photo. À toi l'honneur. Ah, je sais pas en fait. Elle est trop bien. Je vais y aller doucement. Enfin, je vais pas faire un truc de ouf. Moi, j'ai été soft, hein. C'est pour ça qu'il va pas être soft du tout. Ça a été pour ça quelqu'un. Putain, mais je rigole trop en début là. Allez, je mets un dernier petit truc. Fais voir, gros. Oh, wow. Attends, parce que c'est horrible. Tu vois. C'est horrible. Ma tête, on dirait un pouce. Mais oui, parce que. En fait, un mal désert. C'est le. J'ai changé vite fait, il y a moins de flou derrière pour que bah, on évite d'être flou quand je fais ça. C'est beaucoup mieux. T'es un chef. Je suis un top chef comme l'émission. J'ai pas. Top chef avec Philippe Machtabès. J'aimerais beaucoup faire un truc avec Philippe Machtabès, voilà. Hibou, avec l'aide de l'Inca aussi, nous a préparé 3 manches. Comme pour la vidéo avec Seb, manche facile, manche de t-shirt. C'est marrant parce que c'est une blague qui est dans ma prochaine vidéo. Première manche, et je ne parle pas de celle-ci. Manche 1 facile, manche 2 moyenne, manche 3 difficile. Manche à balai. Manche à... J'allais dire manche à couille. Oh, le zizi. C'est le moment, allons-y. C'est parti! Les stars de l'internet, déformés à l'aide de l'application FaceApp. Bonne journée. Attends, attends, déjà faut qu'on ait les règles. C'est qui perd un point? En gros, tu marques un point si tu reconnais la personne. Ok, ok, vas-y. 1, 2, 3, et on dit notre guess. Ok. C'est Cyprien. C'est clairement Cyprien, ouais. Mais c'est facile. Ah, bah il a mis facile aussi. Ah oui, mais je l'avais, hein. Un air de Gaël. Un air de Gaël Garcia? Mm-hmm. La bouche et les yeux. Ah bah c'est du coup, c'est un point ouais, chacun, c'est... là. Voilà, un point chacun. Mais t'as vraiment dit instant, quoi. Alors qu'on doit ouais. se dire un petit 3-2-1, quand même. Ah, merde. Oh, oh c'est bien. Vas-y, prochain. Ok. Quoi? Tu l'as, là? Ouais, j'ai. Non, attends, fais pas ne pas l'avoir comme ça, là. Tu l'as vraiment? Je n'ai pas. Non, j'ai l'impression que j'ai. À 3? Non, 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 viens, on dit pas à 3, ce que j'ai pas. Mec, c'est qui? Oh. J'ai une illumination. T'es prêt? 3, 2, 1, Natou. Qu'est-ce qui s'est passé, là? C'est pas du tout la personne, hein. Waouh! Wow. Le facile est pas si facile en vrai. Hein. Ouais. Ça va être quoi difficile? Oh! Et puis quoi encore? C'est quoi? C'est super dur? J'ai. Tu vois? Je l'ai direct. Vas-y, 3, 2, 1, sardoche! Ouais. Je fous droit. Je fais une petite soirée tapas, verre de vin, et ça finit en bowling. Moi, quand je dis fous droit, c'est fous droit sur Mario Kart. Ok. Je joue à Mario Kart avec. Ok, bah pour le moment, l'égalité, c'est bien. Ouais, c'est bien. Après, on est dans les faciles. Tu as? J'ai une petite idée, mais j'ai l'impression que cette personne-là, elle existe réellement dans la vie. Je pense que je l'ai, mais je suis pas sûr. Mec, j'ai pas, moi. Alors, prends ça. Est-ce qu'on se donne un timer? Prends ton temps, tu sais, moi j'ai tout le temps. Je pense que même vous avez eu du mal sur celui-là, mais moi je l'ai. 3, 2, 1, Logan Paul. Oh, mais oui, c'est lui! Je crois que c'est lui. Ah, oh, mais putain, je suis resté sur le français aussi. Tu sais quand je voyais sa tête en plus? Yes, 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 yes. Je suis vraiment trop deg. Son visage, il était archi familier. Ah, par contre, il était dur. Je voyais lui. Eh, un petit peu, hein. Eh, t'as vu le casque de Mario? Ça va être Chris Pratt, du coup. Chris Pratt, je suis... J'aime beaucoup aussi, ah, mais... Bon. Mario qui va parler. Mais j'ai trop hâte. À savoir, Théo Babac, il a une très bonne culture cinématographique et musicale. Voilà. Je suis pas d'accord. T'as des bonnes rêves, genre. À chaque fois, tu trouves des rêves et tout. Mais c'est toujours genre Bob l'éponge.
Et bah c'est bien. C'est pas ça, c'est plus Et mec, tu l'as fait 100 fois mieux que moi. Tu vois, il a des talons cachés qu'il dévoile pas. Et des talons visibles. Je continue. Ce visage est proche d'apparaître sur une photo de profil. J'ai hâte. J'ai. On est toujours sur facile. 3, 2, 1, Léna situation. C'est les yeux. Je suis d'accord. Waouh. Il a coupé les cheveux. Je sais pas ce qu'ils ont fait là. Facile, okay. Léna, facile, Léna. Bon, on est toujours dans le mode facile là, de toute façon. Easy. Il a un visage très atypique. Moi j'ai. Bah, je l'ai aussi hein. Ah ok. Mais il a un visage très atypique et je pense qu'il rêve de ça. Bah on n'a pas l'habitude de voir avec des cheveux. Non, mais vous l'avez vraiment tous eu là. Là vous avez dit. Mais oui, c'est moyen, mais c'est n'importe quoi, c'est censé être facile. C'est Carlito. Carlito, oui. C'est Carlito, mais c'est facile. J'ai. Je pense que je l'ai aussi. Mais vraiment juste à cause du survêt. C'est ouf parce que je crois que moi aussi. 3, 2, 2 1, Théodore. Théodore. Mais on dirait pas un mec qui t'installe la fibre. Si, mais super sympa. Théodore, évidemment. Let's go, c'est beau gosse là. Ça m'énerve. En fait, on y arrive presque tous. Mais à cause de Logan Paul, je suis en train de perdre. Suivant. Mister V. Attends quoi? J'ai appuyé deux fois. Merde. Mec. Oh, je suis deg parce que je l'aurais pas trouvé. Je suis abattu. Bien, ce que je te propose, c'est qu'on dit pas aux gens. Et on le re-regarde et on fait genre. On overreact très fort, genre. Prochaine personne. Oh, c'est qui? Bah, c'est qui? Je comprends pas. Mister V vieux. Mais attends, c'est carrément Mister V vieux, fais voir. Ça m'a fait l'effet d'un coup au diaphragme. C'est où? C'est là. Non, ça c'est le rectum. Plexus solaire. Vas-y, c'est dommage pour celui-là. Du coup, ça veut dire que j'ai toujours un point de retard. Bang! Alors, j'ai rien du tout qui vient. La taille des dents est pas normale. Il y a eu un bug face up. Schneider électrique marathon de Paris? Mec, alors là, vraiment, je n'ai pas du tout. Attends, je vais checker sur mon tel. Non, c'est de la triche. Bah, c'est carrément de la triche, ouais. Il bizarre, Attention, t'as une tâche. Là. Je change de t-shirt. Je sais toujours pas qui c'est. Eh hey, putain, il est archi lourd. Merci, Lucas, pour tous les colis Yoko que t'envoies. Voilà. Tu sais que je sais lire le japonais. C'est marqué quoi? Je crois que c'est écrit All Star. Ce sera vérifié par une équipe de chercheurs de fast-checking. C'est vrai. Tu dis des vraies choses. Sache que les gens nous insultent très fort là. Parce qu'ils savent, tu penses? Il y a toujours des gens qui savent. Moi j'ai personne. Hein. J'ai un nom mais ça a aucun sens. Pourquoi il serait là? J'ai un nom mais ça aurait aucun sens aussi. Bah vas-y, on le donne. 1, 2, 3, Hakim. Hakim. Mais oui. Mais quoi? Ouais. C'est Gotha. C'est Gotaga. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Et pourquoi juste le fait de rajouter des cheveux et de faire des dents plus grandes le change autant? On a pensé à la même personne en plus. Mais c'est fou en vrai là. Gotha, t'es Hakim mais dans le gaming. Tu me devances toujours mais c'était intéressant. Putain, et en plus je l'ai vu vraiment il y a 2 semaines pour le Master Kill et je l'aime beaucoup. C'est parti. Ah mec, là par contre on est vraiment dans moi. Là c'est compliqué hein. Là je commence à genre regarder derrière au cas où il y a des indices. Ouais quoi. Vraiment là, ça y est là. Mec, je suis à 1000 km de la voix. En fait, je n'arrive même pas à savoir ce qui a été rajouté. J'ai l'impression que les lunettes ont pareil. Été rajoutées. La bouche, tout. Justement, je suis en train de me dire, je pense que les lunettes, elles sont pas rajoutées à cause de la lumière et tout. Mais j'essaie de trouver des gens qui ont ces lunettes-là. Ce sourire me dit quelque chose. C'est horrible. T'as une gros balle, j'ai quelqu'un. Ok, vas-y. 3, 2, 3, Antoine Daniel. Ok, j'ai dit Antoine Daniel à cause des lunettes. Il est insane, le montage. On dirait pas un perso dans Camping? Vas-y, mais ça se trouve, c'est pas Thibaut InShape, hein. Yeah! Oh le bâtard! Mais non! Il a inventé une personne! Oui, c'est une personne! L'application qui existe! Il a joué dans Camping! Je suis en train de penser à mon compte Insta. Mais non! Il est top ton compte Insta, il est super! Plus pour longtemps! Je vais appeler Arnaud, c'est lui qui l'a fait. Putain. En attendant, tu peux animer comme tu veux, genre en faisant plein de blagues! Oh, je sais! Je vais regarder tous les trucs en avance et je vais les trouver. Non. Notez mon style de danse. C'est bien ou pas? C'est pas le mien. C'est pas toi qui l'a fait. C'est pas le mien, mais il est drôle. Je crois que je sais qui c'est. On a mis 2 heures à trouver. Parce que tout à l'heure, on a regardé en cachette du coup tous les trucs. Et on essaie de deviner bah, pour voir si vous alliez galérer. Lui, moi, je le trouve hardcore. Je l'aurais jamais mis en moyen. C'est Thibaut. Ouais, c'est Thibaut. Ok. Moi, le seul truc qui a fait qu'on a trouvé, c'est qu'il a marqué en fait Team Shape sur le t-shirt. Mais derrière. Non. En plus, au début, il a dit. Mais il oui, dit. Là, je commence à genre regarder derrière au cas où il y a des indices. Ouais, quoi. Vraiment là, ça y est là. J'aurais jamais trouvé moi. Donc, on était au niveau score? Bah, t'as 2 points d'avance sur moi. Oui, c'est vrai. Non, mais je vais pleurer. Tu sais, je pleurais sur commande. Non, et toi, t'arrives? Ouais, regarde. Jure. 1. Ok, bah pareil, je regarde derrière. Un stade? J'en ai un. Non, alors là, je l'ai pas du tout. J'ai l'impression que le fond a été changé. Tu sais, on dirait qu'il y a un fond vert. Mec, j'ai personne. Je pense, je suis sûr, à genre à 2%. Mais il me fait penser juste à JP, qui était un collègue à mon père dans l'informatique. Big up JP. 3, 2, 1, JP, le pote à mon père. Squeezie. Pour la teinture.
putain. Oh, c'était mastu. Mais c'est des bâtards d'avoir changé le fond. Mec, les lunettes, il y avait un reflet dans les lunettes. Non mais mec, mais c'est trop là. À aucun moment, il y a des traits de visage de Mastu. Impossible de te rattraper là. Tout le reste, je pense qu'on l'aura pas. C'était impossible. C'était impossible. Il y a quoi au-dessus de très compliqué, très fort, très dur? Dur en mode caillou. Niveau granit. Tu as 3 chances pour te rattraper. Ok, bah j'y crois. Non, j'y crois pas. Top. Waouh, non mais oui, mais aussi, mais... Déjà, j'ai du mal à comprendre la photo. J'ai du mal, j'ai l'impression qu'il y a 4 paires d'oreilles. Bah ouais. Il y a 2 paires d'oreilles, pardon. J'arrive même pas à comprendre le fond, gros. Mec, c'est qui est cette personne? Vas-y, j'en ai un. Mais encore une fois, je suis à 2% de chance, et vu que je me rate beaucoup... Mec, moi j'ai personne, encore une fois. Hein. Là, je peux même pas dire de nom. J'ai l'impression qu'en fait, ça, là, c'est des dreads, et il est allongé dessus. Vraiment, mec, c'est trop dur. Bah, vas-y, si t'as quelqu'un, moi j'ai personne, je passe, vraiment. Vas-y, Michou. Oh la remontada demi. Oh mon cul coulé à la chaise quoi. Impossible de reconnaître Michou là. Là c'est Michel. Il est routier et il est énervé. Si ça avait été une photo de face de Michou, ça aurait été rien à voir. Tu cherches des excuses? Oui. La prochaine, il en reste 2 je crois. Ça va peut-être être la remontada sur la fin. Putain, c'est ouf, c'est beau. Tu as? Non. Ah. Quels sont les cheveux de base? Est-ce qu'ils sont courts? Est-ce qu'ils sont très longs? Mec, je... J'arrive pas à trouver quelqu'un là. Parmi vous qui regardez cette vidéo, il y a des gens qui ont snipé tout de suite qui c'était. Et c'est dur, non? Je vais partir sur un... Une abandon? Non, un truc au hasard. Attends, on doit dire un nom là? Ouais, faut se décider, faut se décider. Je pense que j'ai tort, hein, donc. Parce que moi je donne un truc qui est déjà passé. Viens, allez, vas-y. 3, 2, 1, Mister V. Quoi? Mais pourquoi? Mec, il était noir. Oui, il était noir. Oh là là, c'était impossible. On dirait juste qu'ils ont collé la photo de quelqu'un d'autre. On dirait le présentateur de 7 à 8. Oui, Harry Roselmack. Harry Roselmack. Oui. Mais avec un très très grand sourire. Mec, un point d'avance, c'est la dernière je crois maintenant. Ok, tu ne peux pas te planter. Et je pense avoir une idée. Non. Mais c'est une mamie qui ramasse des fraises. Tu penses que c'est une femme? Non. C'est pas une femme ça. Non. J'ai un nom mais je suis pas sûr. Faut se dire que c'est quelqu'un du YouTube game. Mais comment t'arrives à voir quelqu'un là? 3, 2, 1, le mec du monde à l'envers. Allez. J'ai dit le mec du monde à l'envers. Mais du coup ça veut dire que si t'as gagné. J'hésitais entre Valentin du monde à l'envers et Maxence. Mais quoi? Mais on a dit la même personne, c'est ouf. Mais oui, on dit Valentin du monde à l'envers, c'est Inox. Il y a un petit bout d'AirPods qui reste, genre en mode appareil auditif. Ouais, ça donnait cette impression là. Mais impossible de le trouver. Je crois bien que c'est le dernier. Qu'est-ce qu'il y a, Théo Babac? Mec, je suis deg. C'était vraiment bien. C'était archi drôle. Mais genre, les difficiles, ils étaient difficiles. Eh, hey, y'a pas. Dimanche, jour du Seigneur, tu postes ça, les gens vont dire putain, je crois en toi maintenant. Toute une semaine. En plus, je sais que la semaine qui suit, je vais être en soirée. Je vais devoir donner mon Insta aux gens. Ah, c'est top ça. Est-ce que t'es content d'être resté? On s'est croisé. Une demi-heure. Juste dès que je suis arrivé, il m'a dit je pars dans une demi-heure. Finalement, je suis resté un peu plus longtemps. Pour ça. On dirait un pouce. Un pouce qui règle des problèmes, des conflits. Un médiateur. Oui, c'est un pouce médiateur. Eh, hey, arrêtez avec les conflits. T'avais jamais vu ça, hein? Moi, je peux faire ça, là, tu sais. Moi, regarde, je vais faire ça. Oh! Bon! Bah, c'était trop bien. Et c'était vraiment une source de rire. Merci à Théo Babac. On se serre la main d'une manière énervante. Tu sais, les gens qui ont la main de poule. Oui, c'est ça. Oh, c'est chiant. Oh, c'est chiant. Arrêtez de faire ça, là. Serrez la main. Oh! Hop! Et voilà, regardez-moi ça! Pouf! Sur l'Insta de Théo Babac, c'est dispo dès maintenant. Je reviens plus au lot, c'est mort! Allez! Mais si, on a dit la prochaine fois, je tourne avec toi. Bon bah, il est parti. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Allez voir l'Insta de Théo Babac, allez voir sa chaîne, il est très très drôle et je l'aime beaucoup et c'est un être humain formidable.